Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais j'essaye d'alterner une vidéo, puis un vlog, ainsi de suite par semaine. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît de faire comme ça, parce que moi je trouve que ça change, c'est pas toujours la même chose. Et comme ça vous voyez un peu de mon quotidien, je vous emmène avec moi, et en même temps je vous fais des vidéos pour vous faire découvrir des choses, des maquillages, des vidéos lifestyle, enfin un peu de tout. Donc dites-moi si ce rythme de vidéo vous plaît. J'ai décidé ça comme ça, enfin j'ai même pas décidé, ça s'est fait tout seul, naturellement. J'ai commencé à faire ça et je me suis dit bah en fait autant faire ça, un vlog, puis une vidéo, puis un vlog, puis une vidéo, ainsi de suite. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo pour vous montrer ce que j'ai commandé sur Romwe. C'est la première fois que je commande sur ce site là. C'est un site similaire un peu à Wish, je dirais. C'est des produits vraiment à petit prix, donc tout ce qui est vêtements, des articles pour la maison, tout ce qui est sacs, accessoires, enfin chaussures, il y a de tout à petit prix. Et en plus de ça, il y a moyen d'avoir des codes promo, il y a moyen d'avoir des réductions si vous atteignez un certain montant. Enfin voilà, je vais vous montrer tout ce que j'ai commandé, comme ça vous voyez un peu ce que vous pouvez prendre ou ne pas prendre. Mais j'ai déjà déballé tout. Parce que comme ça, parce que c'était emballé dans du papier, comme ça ça fait pas trop de bruit. Et voilà, je vais vous montrer ce que j'ai commandé. Donc, premier article, j'ai commandé un tapis. Je vous mettrai la photo à chaque fois ici de ce que représentait l'article sur le site. Et en même temps, je vous ferai un petit, une petite vidéo pour vous montrer en vrai ce que ça donne. Parce que là, vous montrer comme ça, c'est pas vraiment top top. Donc voilà, j'ai pris un tapis comme ça pour mettre devant mon évier de cuisine. Parce que j'avoue qu'à chaque fois que je fais la vaisselle, je mets de l'eau partout. Donc ça évitera de mettre de l'eau partout, ça tombera sur le tapis. Même quand je cuisine, c'est une catastrophe. Hein, donc voilà, ça tombera sur le tapis. Et après je mettrai le tapis à la machine à laver. Donc voilà. Le tapis représente bien ce qu'il y avait sur la photo, donc je suis agréablement surprise. Pour les prix, je trouve ça vraiment pas cher pour un tapis, surtout que ma grand-mère m'a dit qu'elle avait acheté son tapis qu'elle a mis devant son évier 25 euros ou 30 euros. Donc je trouve que ça va, je pense qu'il a coûté 7,20 euros, donc je suis pas volée pour un tapis. Voilà, et il est de très bonne qualité et il est magnifique. Prochain article, j'ai pris... J'ai pris des petites housses comme ça pour mettre dans la machine à laver. Donc il y a pour mettre les culottes, pour mettre les chaussettes, pour mettre les chemises, pour mettre les t-shirts. Et j'en ai encore un autre pour mettre les soutiens. Celui-là il est déjà en bas parce que j'utilise déjà. J'ai pas pu attendre de faire la vidéo pour l'utiliser. Et il est passé à la machine, il est resté nickel, mes soutiens sont restés nickel. Et je trouve ça pas mal, surtout pour les chaussettes, quand on fait une machine, on perd toujours nos chaussettes. Donc je trouve ça pas mal, et même les culottes pour pas les abîmer, enfin je trouve ça super. Donc pour le prix encore une fois, ça valait la peine d'essayer, et c'est de la bonne qualité. Donc je suis pas du tout déçue de cet article-ci. Ensuite, j'ai pris un pyjama. Donc vous voyez ici la petite photo. Alors, c'est un pyjama avec un pantalon rose. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a des petites poches. Et alors, il y a comme sur la photo, le petit truc pour mettre sur les yeux. Je trouve ça trop mignon avec les cils. Et le petit haut avec les cils de nouveau. C'est ça que j'ai aimé dans ce pyjama, c'est qu'il y a des cils et je trouve ça trop bien. Bon, c'est un peu transparent. Donc je sais pas si vous voyez, c'est un peu transparent, mais bon c'est un pyjama donc c'est pas grave. Mais la qualité du pyjama est vraiment top. J'ai pris en taille M et parfait, franchement je suis pas déçue. Juste un peu l'élastique ici qui serre, mais sinon c'est un élastique quoi, donc ça va. Mais pas du tout déçue de cet article là non plus. Ensuite j'ai pris un pantalon en simili cuir. Donc c'est un pantalon de taille haute, sans tirette ni rien. Celui-là
celui-là il est pas mal du tout, j'ai pris en taille L au lieu de M parce que voilà, à chaque fois que je commande sur internet sur des sites pas chers, j'ai la blague, le pantalon sont toujours trop petits, donc j'ai pris L au lieu de M et la taille est parfaite, sauf que c'est un peu vaillant ici dans le dos et malheureusement c'est pas mettre de ceinture, mais bon sinon la taille est parfaite niveau cuisse, juste un peu long, mais bon ça c'est moi qui suis petite, mais sinon et aussi quand on marche ça fait du bruit, mais bon sinon je veux dire pour la qualité prix je dis ok. Ensuite j'ai pris des housses de coussin, donc j'ai pris en effet marbre comme ça. Je suis contente de vous montrer, comme ça je peux aller mettre sur mon coussin après. Donc housse de coussin, j'en ai pris deux en marbre et un comme ça. Par contre sur la photo, je sais pas si vous voyez, mais c'est rose gold. Alors que ici c'est un peu jaune. Et c'est pas... c'est un peu flouté comme ça. Je sais pas si vous voyez en caméra. Mais c'est pas vraiment identique à la photo. Mais sinon voilà, c'est quand même joli. Et c'est pour les coussins là quoi. Mais comme ça je change un peu la déco de mon salon. Ensuite j'ai reçu un petit sac gratuit du coup. Parce que quand j'ai eu une commande, normalement elle valait 100 €. Et quand on dépasse en fait, enfin quand on est à 100 €, on a droit à 10 € de réduction avec un code qui est sur le site. Et en plus de ça j'ai eu un code d'une autre youtubeuse, Cindy Ch'ti. Et je sais plus c'est quoi son code, mais vous avez 10% avec son code à elle. Et donc j'ai reçu ce petit tote bag comme ça pour aller faire les courses, je trouve ça trop bien, gratuitement. Donc je suis contente. Ensuite j'ai commandé 3 pulls. Donc il y a ce pull-ci. La qualité est bien, il est quand même, ça va aller pour l'hiver. La couleur, j'aime bien aussi. Par contre, j'ai pas fait attention et c'est ma soeur qui m'a dit de faire attention à ça après. C'est en fait quand vous voyez une image, donc vous voyez ici. Pour moi, je croyais que c'était un pull assez qui arrivait jusqu'aux fesses quoi. Et en fait non, il arrive tout juste au niveau du pantalon, donc. Moi ça me gêne un peu, je préfère que ça descende un peu plus bas. Mais bon c'est pas grave, je mettrai un petit top en dessous quoi au cas où ça remonte. Mais sinon la couleur et la qualité j'aime bien. Et ça c'est en taille unique. J'ai également commandé une paire de pantoufles, je crois que c'était moins de 5 €. Et voilà, je trouve ça pratique, je trouve ça mignon et un peu chaleureux pour l'hiver. Et alors comme c'est dur... ça risque pas de se déformer comme toutes les pantoufles et au final je dois les jeter parce que ça n'a plus de forme. Donc voilà, même pour nettoyer je trouve ça pratique, je ne glisserai pas et je les trouve trop mignonnes. Ensuite, nouvelle blague aussi, quand j'ai vu ça je me suis dit mais c'est quoi cette blague. En fait voilà, c'est vrai que sur la photo, comme vous voyez, pour moi il paraissait grand aussi. Mais en fait, par rapport aux manches, c'est vrai que c'est beaucoup plus court. Et donc, ça fait que c'est beaucoup plus court. Donc ça, c'est l'avant, si je ne me trompe pas. Voilà. Parce qu'il y en a un autre où le nœud est derrière. C'est pour ça, je m'étais trompée. Donc ça, c'est l'avant. La taille est parfaite. La matière, nickel. Juste là, je viens de voir un fil. Ouais, bon, c'est un fil qui vient de partir, c'est pas grave. Mais sinon nickel. Si vous avez là aussi par contre je vais mettre un top en dessous parce que c'est court quoi, je m'y attendais pas mais c'est court, mais sinon c'est parfait. Donc même style de pull. Et donc voilà, c'est parfait. Bon, à nouveau, c'est beaucoup trop court. Et derrière, comme vous avez vu juste avant, on voit le dos. Donc je mets aussi un top d'office. Mais voilà, la matière parfaite. Je trouve que pour le prix, je suis vraiment pas déçue de ce que j'ai reçu.
Voilà comment je recommanderais les yeux fermés. Et encore une dernière chose, c'est une robe, hop, une robe avec un capuchon, des petites perles sur les manches, et c'est en fait une robe pull. Donc je vous mets la photo ici. Et donc voilà, niveau taille ça va. Je trouve que c'est un peu trop large, mais il y a aussi des perles ici sur le petit nœud. C'est un peu trop large, mais bon, c'est peut-être moi qui dois m'habituer parce que c'est vrai qu'une robe plus large comme ça, j'ai jamais mis. Mais sinon, voilà, je suis vraiment pas déçue de ma commande. Avec tout ça, au lieu de payer 210 euros, j'ai payé 91 euros. Donc je me suis dit, pour une première commande, j'ai osé dépenser autant. Mais je suis pas du tout déçue de tous les articles. Bon, après, j'ai fait attention aux articles. Hein. Je sais qu'il y a des articles, par exemple, les pantalons, c'est plus délicat. Je me suis dit, les pulls, ils sont tous en taille unique. Donc ça, il n'y a pas de souci. Pantalon, j'ai quand même pris une taille en plus pour être sûre parce que je voulais quand même essayer un pantalon chez eux. Mais franchement, je suis vraiment pas déçue. Mais faites quand même attention sur tout ce qui est bikini, tout ce qui est... Parce que moi, à chaque fois que je commande sur des sites pas chers, les bikinis, c'est beaucoup trop petit ou ça n'a pas de forme. Enfin, après, ça dépend des sites, mais voilà. Faites quand même attention, mais comme ça, vous voyez ce que moi, j'ai commandé. Et si vous aimez bien ces articles-là, foncez les yeux fermés parce qu'ils sont top. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous aimez bien ce genre de vidéo où je teste des sites... que ce soit de vêtements ou autre, dites-moi en commentaire, comme ça je sais que je peux le faire et ça me permet à moi aussi de tester et d'avoir de nouveaux vêtements. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.